futur. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, j'avais fait une vidéo dessus où on voyait cette séquence. Oula. Déjà, qu'est-ce qu'il fout ici? Mais là, quand on se demandait qu'est-ce que je fous là. Ça devient comme dans Resident Evil, tu te fais capturer, là t'es à table. Ils vont tous te faire chier. C'est la famille Baker. Alors Strip, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je le répète, ce sont des vieilles émissions en fait belges, enfin c'est une émission belge. Ça, c'est vraiment le commencement des émissions et des reportages. Donc là, on tombe sur des pépites, la plupart du temps, il n'y a aucun commentaire dessus, c'était vraiment brut quand ils filmaient, et du coup, ils partaient filmer des gens dans leur quotidien, mais sauf qu'on a des pépites, je vous jure, il y a des trucs où vous n'êtes pas prêts du tout. Si. Alors, comment tu les trouves? Ah putain, il est déjà hyper malaisant le mec. Vous allez le voir très rapidement, notre petite Roxana, elle va parler le français mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. En plus, j'imagine que mamie, c'est une excellente cuisinière. Ben, on se débrouille, oui. Tu passes à Damien? Hein? C'est la... Voilà. Merci, c'est hyper malsain. T'aimes bien aller au marché? Aller au marché, t'aimes bien? Oui. Elle n'a pas bien saisi, peut-être. Oui. Il y a quoi de compétent? Elle ne parle pas français. Donc pour elle, ce sont des mots incompréhensibles. Il faut qu'elle apprenne. T'as les belles filles? Oui. T'es belle? C'est un enfer! Croyante, catholique. Oui. Oui, tout à fait, oui. On n'est pas déçus, hein. Tu vois à sa tête qu'elle est blasée de la vie. Mais bah nous, on se connaît depuis des années. Ben oui. On peut tout le temps rester dans les couches de sa mère. Hein, ben Marie-Josée? Ben non. Ah non. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Damien? Hein? Elle est belle. Ah ouais. Ah, c'est une belle petite jeune fille. Ah oui. Non, mais Damien, il faut le dire. Ah oui. Par ici, c'est vrai que bon. Et moi, c'est bien, hein. Ouais, j'aimerais bien au mouton. Oui, elle donne le biberon, elle remplit les seaux de granulés, ah, tout ah, ça. Oui. Oui. Jette de la paille. Oui. Elle ne comprend pas encore le français, mais elle voit le sens du ah, travail. Oui. Un petit apprenti, ben, voilà. ça serait bien. Ben quoi, oui, hein. Ben oui, ben oui. Ah putain. Oh! Ah, j'ai vu qu'elle a essayé d'enlever sa main. Je te trouve jolie. You're so pretty! À la gueule en mode aidez-moi! Tu me plais. La mienne, elle a du cran, hein? Il sait qu'elle va revenir. Quoi? Elle est partie? Au téléphone, on voyait qu'elle était agitée quand elle répondait à sa mère. Elle je pense que c'est pour ça que sa mère a voulu qu'elle reparte, parce que faut qu'elle soigne les frères et sœurs, hein. Elle va revenir, mon chéri. C'est ça qu'elle m'a copié. Je vais l'assassiner. Ah non, non, tu peux pas. Si, si. Ah non, non. Ah, si, si. Ah, non, si. Tu peux pas, mon chéri. Eh ben moi, je vais me tuer. Moi, je veux plus rien avoir d'ici, c'est tout. Non, c'est une blague. Le papy, non, tu peux pas faire ça, Billy, tu peux pas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, mamie. Mamie, prenez les couteaux. Mamie, prenez les couteaux. Non, t'attends, reste là, reste là. Elle là, quand viens ici. Viens ici, toi. Il veut plus te voir, hein. T'as peut-être tout raconté, hein. Hein. Ah oui, il va te tuer, hein, t'as sûr, hein. Eh bien, le père vient de dire « Ah oui, il va te tuer, attention, hein !» Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Oh, c'est quoi ce délire, là? La pauvre... T'as une langue qui n'est pas ordinaire.
T'as qu'à fermer ta gueule. Viens, monsieur. Viens ici, viens ici, viens ici. T'es fou, tout en l'air, hein. Va-t'en aussi, hein, t'es pire en vitesse, hein. Viens, ma chérie, viens. Viens, la pauvre. Elle n'a jamais rencontré d'autres garçons, alors. Non. Toi non plus, non. Alors vous allez vous attacher très vite. Oh là. Oh. Mais il sourit devant la photo? Non. C'est la femme. Vous avez des nouvelles de Roxy? Bien sûr. J'ai des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Oui. Elle est bien arrivée, tout va bien. Oui. Est-ce qu'elle souhaite revenir? Oui. On a essayé de discuter avec sa maman, mais pas moyen. C'est une femme qui est vraiment primaire. Oui. De toute façon, l'arnaque. Damien, il a été tout doucement. L'arnaque. Aussi. Il l'a embrassé, ah oui, mais pas sur la bouche, ni rien. Hein. Il fallait c'est pas. C'est vrai, Damien. Ah non. Vous avez osé. Moi, pour moi, le mytho, elle reviendra pas. Moi, j'ai ramené quelques nouvelles candidatures, j'en sais pas si vous voulez les voir. Tiens, comme par hasard, elle est censée revenir, mais ils montrent des nouveaux trucs. Oh là là, la photo. Mais qu'est-ce que je vois? Les petites photos. Ah oui? Mais c'est qui cette petite blonde? Ah bah, c'est qui? Et en plus, il a un pull mauve. Oui. Regardez. Et sa chemise blanche. Ouais, un pull mauve. Mais super. Super. Allô? Oui, bonjour mamie. Elle revient. Bonjour ma... C'est elle reviendra pas. Oui, je vous ai bien reconnue. Et moi, je vous téléphone. Oui. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Tiens. Ah bon. Et Roxana. Oui. Elle est repartie. Et sa mère, elle a envoyé des forces en Italie. Ah bon? Elle l'a envoyée en Italie, pourquoi? Elle l'a envoyée en Italie malgré sa volonté. Et pour, dans une autre agence aussi, alors? Oh, pas du tout. Mais où elle va atterrir, où, comment? Je ne sais pas. Elle le sait, c'est juste qu'elle le dit pas. Elle reviendra pas. Je suis en train de regarder, en fait, en parallèle, la Roxana, elle avait pas 18 ans au moment du tournage, elle était mineure. Comme tu faisais à Rosanna. Oui. Hein? On va faire comme avec Rosanna. Oui. Tu vas m'embrasser comme avec Rosanna. Par la main. Oui. Bah putain, fin de l'émission, les amis.